Bon, gloire aux bénévoles. Le dossard, il est là. Le garçon, il est là. Le papy, il est là. Salut Fred. Ça va? Je te serre le petit doigt. Bon. Allez, on va rechercher la voiture au parking et on va au lac de Pérol. Bon ben voilà, lui il est là, comme d'habitude les papis, on est au rencard et ça commence à se remplir. Et ben, le sac s'est plié. Et on va aller mettre le sac. Voilà. Elle m'a reconnu, j'étais incognito pourtant sur le parcours. C'est Papy Iron Man. Papy Iron Man. L'enfant me donne la puce. Okay, t'en rends compte, attraper voilà. Une puce à Aix, à Pérol. Bien garder toute la course, cheville gauche. Ouais, merci. Bonne course, bon courage. Papy, il est là, il sort par là. Et il arrive par là. Bon ben vu les travaux, parc à vélo a changé de place. Allons chercher notre parc à vélo et notre truc de transition. Du balai. Allez souriez fille. Hein? Non mais oh, pour une fois qu'on va au collège à mon âge, hein? Ben oui. Vous avez tout sur le bon. Allez. J'ai trouvé un hôtel sur le cours Mirabeau, donc pas loin du départ et de l'arrivée. Le seul problème, c'est qu'il risque d'avoir du bruit cette nuit, même si on est au cinquième étage. Donc, double pièce. Ce que je crains pour cette nuit, c'est que je vais me réveiller normalement à 4h30. De le faire jusqu'à 10h, 11h, minuit, pour savoir. C'est la fête, hein. Voilà, ça c'est l'hôtel restaurant. J'ai trouvé la chambre. Et là, on monte. On va faire un peu d'exercice avant la compétition. On a trouvé que c'était haut. Dernier étage. Mais la montée est sympathique. Voilà la vision que l'on a sur le cours Mirabeau de l'hôtel. Bien, là, il est 5h. Aix ne se réveille pas encore tout à fait. Je pense que les bus commencent à attendre les compétiteurs. On va se mettre tranquillement dans le bus pour finir notre nuit. Bon ben là normalement je suis avec Mathéo. Voilà. Dans le Tibet, c'est ça? Tout à fait, en Tibet. Alors. Hein? Alors on va essayer de, dans l'autre sens pour savoir s'il y a le flash qui marche. Ouais, c'est toujours Mathéo. Et voilà, et toujours dans Zib. Bon, il n'y a pas que lui, on commence à y être. On commence à y avoir du monde. Il y a 2 heures à tuer là. Allez. Je suis avec un jeune fan de YouTube. Exactement. Il s'appelle David. David. Et qui est de Du Havre. Du Havre, oui. Bah, donc, on voyage. Hein, exactement. J'ai cherché le soleil, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, il faudra oublier aujourd'hui. Hein. C'est ça. Merci. Romain, voilà, c'est moitié des prénoms. Alors comment ça se passe aujourd'hui ?
Ça va se passer humide, je pense. Ouais. Ouais. Je pense que ça va être humide. Mais on va le faire quand même. On va essayer. On est là pour en chier. Bon. Ça commence à bouger. Là-bas, vers les toilettes aussi. Il n'y en a pas mis beaucoup dans les toilettes. La vache. Il pleure les toilettes, ici. Pas très large. Saverre. Et il vient d'Ajaccio. De Porto-Bec. Porto-Bec. Ah oui, donc Sartène, oui, Porto-Bec, on est de la zone. Première annonce qui va être faite de Nicolas de Sartène. Parce que dans une heure, on aura le départ, c'est la température de l'eau. Allez, qui a été prise au point c'est bonne chance. Plus éloigné du parcours. Là j'ai un local, donc, plaisir d'être avec du cru, ouais, du cru. C'est combien de fois que tu l'as fait celui-là? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Et toi? Quatrième. Et toi? Combien de fois? C'est un Danois. Un Danois. Un Danois. Est-ce que c'est juste un peu? Quand un Danois qui vient nous prendre la première place. Okay. Un bon, hein. Il est fort. Hein. Have a good trip. Good trip. Yeah. Have a good trip. Oui, alors, dernière question. Ouais, bah, les garçons, en tout cas, font plaisir. Les filles aussi, parce que Serge. Saint Grégoire, il se déplace toujours. Les garçons et les filles, en tout cas, on va vous souhaiter à vous les Bretons et à tous. Bon, après un vélo d'enfer. Une pluie, du froid, je me suis gelé. Là, je suis en train de finir le deuxième tour, mais je crois que si mes crampes ne passent pas, je vais m'arrêter. Et toi, tu es organisateur ? Directeur d'équipe. D'accord. Et tu en attends quelques-uns ? Oui. C'est-à-dire en fait, je dirige une équipe de bénévoles. Alors là, j'ai le t-shirt de finisher. Alors là, c'est le t-shirt des finishers et on vous félicite d'être allé jusqu'au bout avec ce temps merveilleux que vous avez eu. Ah oui, ensoleillé. J'ai fait 50 km de natation, c'est la première fois. Fantastique, c'était fantastique. 50 km de natation. Allez, souriez, vous êtes filmé, hein, pour YouTube. Hein, ouais, oui, ils sont beaux. Et lui aussi, hein. On tourne vite. Hop. Bon. Alors, ça s'est bien passé, vous, ça va? Vous avez pas eu trop froid? Couvert, le truc, préservatif, sorti. Ouais. Sorti et couvert. Sorti et couvert. 4 allers-retours, hôtel, parking, avec les bagages. Marie-Paul, un peu en colère. Pour elle, c'était très difficile.